Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment je fais mes brochettes de porc riche. Porco Joe Gabriel. Porca. En tout cas, ça là, j'ai essayé avec mon assaisonnement les barbecues. Il faut que moi je mette cette vidéo là sur YouTube. C'est trop doux. Trop doux. Donc, pour commencer la recette, j'ai pris la viande de porc que je vais. J'ai déjà nettoyé, bien nettoyé là-bas. Je vais découper. Excusez-moi. Voilà, ici après avoir bien découpé mes porcs, ma viande, c'est quoi, mousseau. Ici, dans une cocotte, je vais renverser ma viande là à l'intérieur. Je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter du sel, juste un peu de sel, parce que le porc et le sel là, en tout cas, le porc est très très sensible. Si tu veux rajouter beaucoup de sel là, ça serait trop salé. Ici aussi, je vais rajouter du citron. Et on va porter tout ça à l'ébullition, on va laisser cuire. Il faut laisser cuire, hein. Pas mi-cuisson, il faut laisser bien cuire. Là, comme ma viande est cuite, je vais les retirer. Je vais assaisonner avec mon superbe assaisonnement de barbecue. Wow, c'est trop bon. Vous avez négligé ça, mais vous allez aimer ça. Et enchaîner les vidéos là avec l'assaisonnement barbecue là. C'est trop doux. On dit j'arrête, j'ai acheté. Il faut faire une vidéo sur l'assaisonnement de barbecue. En tout cas, vous serez servi. Hein. Là, je rajoute de l'huile. Encore d'assaisonnement. Quand c'est comme ça, là, tu goûtes. Quand l'assaisonnement te plaît. Mais si tu veux toujours rajouter, tu rajoutes. Pas besoin d'utiliser persil, ail, gingembre. Pour finir, tu te retrouves avec une marinade. Ta viande à cuire, là, c'est amer comme ça. C'est quoi? Ça, là, tu te plus. Tu mets assaisonnement, là, tu mets ton huile, tu laisses mariner. Le lendemain, c'est fini. Voici, après le temps de repos, tu peux laisser toute la nuit, comme tu peux laisser 2 heures, comme moi je viens de le faire. Je vais les embrocher maintenant. Vous pouvez alterner la viande avec les légumes. Moi, j'ai préféré faire sans légumes. Si vous avez bien remarqué mes vidéos de ces temps-ci là, je mets un peu de fond sonore, les petites musiques en fond sonore là. Tel artiste, droit de réclamation, réclamation d'auteur. Droit d'auteur, réclamation de droit. C'est quoi tout? Ah, mon chien. Là, après avoir monté mes brochettes, j'ai badigeonné avec la base de ma marinade là. Et ces brochettes, elles vont cumuler, mais c'est déjà fini dans cette là. Laisse-moi me mettre bien. Voilà. Ok les amis, voici le résultat de mes brochettes de porc. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. On se dira bye bye.